à tous, bonjour à vous. Alors vous arrivez, vous de tous les quatre, d'ailleurs ça n'est jamais arrivé, tous les quatre vous arrivez de Mortagne. Oh, comment ça s'appelle les habitants de Mortagne? On dit des... Mortagniers. Bon, voilà, tu vois, vous m'avez appris quelque chose, je suis pas mécontent. Aujourd'hui on va parler du poireau, des carottes et du navet. Vous aimez ça le poireau? Oui. Oui, vous aimez bien. Bon, bah, tant mieux. Alors, vous savez qu'il est arrivé des tas d'histoires à ce pauvre poireau. On lui donne des surnoms. Et ça, c'est pas très juste. On l'appelle l'asperge du pauvre ou l'asperge du savetier. Et pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que l'asperge est un légume que tout le monde aime bien, mais qui est horriblement cher et que malheureusement, tout le monde ne peut pas se payer. Alors, quand on ne peut pas se payer les asperges, eh bien, on se paye des poireaux et on les mange en vinaigrette, comme les asperges. Voilà pourquoi. Vous savez qu'on donne à une décoration le nom de poireau. Vous savez, quand les paysans ou les gens qui travaillent à l'agriculture ou qui travaillent pour l'agriculture ont bien mérité, on leur donne une décoration qui s'appelle le mérite agricole. Et le mérite agricole, quand on veut se moquer des gens qui ont reçu le mérite agricole, on dit, tiens, il a eu le poireau. Alors les gens, ils portent leur décoration comme la Légion d'honneur, et en fait, on dit, vous avez le poireau. Voilà. Mais imaginez qu'au siècle dernier, il y avait des gens, des hommes et des femmes, qui se réunissaient dans une, ce qu'on appelait une société secrète, c'est-à-dire que personne ne savait qu'ils se réunissaient deux fois par an, et pendant ces deux réunions, ils discutaient pour savoir s'il fallait manger d'abord le vert du poireau ou le blanc, ou inversement, le blanc d'abord et le vert ensuite. Incroyable. C'est le vert ou le blanc faut manger? Alors, écoute, le vert, c'est formidable pour mettre dans la soupe, pour faire une soupe de poireaux pommes de terre, par exemple, et le blanc, c'est délicieux en vinaigrette, c'est-à-dire quand on le mange comme des asperges. Ça vient d'où, le poireau? Écoute, personne ne sait très bien d'où ça vient, le poireau, à dire vrai. On sait une chose avec certitude, c'est que le poireau, c'est de la famille de l'ail. Alors, probablement, tu sais, l'ail, c'est une grosse tête, hein, alors probablement que c'est un poireau, c'est de l'ail dégénéré, on ne sait pas très bien. On dit aussi que ça viendrait des poireaux sauvages, qu'on appelle les poireaux de vigne, et qu'on trouve dans le midi de la France, entre les rangs de vigne. Mais en réalité, on ne sait pas très bien. Ce qu'on sait, c'est que ça existe depuis très très longtemps, puisque les Égyptiens faisaient sculpter des poireaux et des oignons sur la tombe de leurs morts. On sait également qu'au Moyen-Âge, on mangeait le ver des poireaux. Les pauvres mangeaient le ver des poireaux dans une sorte de soupe qui était un plat national et qu'on appelait la porée. Les Grecs et les Romains aussi mangeaient le poireau. Malheureux, ils étaient invraisemblables, les Grecs et les Romains. Vous vous rendez compte que les riches, ils mangeaient le blanc du poireau et ils laissaient le ver aux pauvres. C'est quand même pas bien, ça, hein, de faire des trucs comme ça. Mais il y en a des plus gros, des poireaux? Oui, il y en a des plus gros. Il y en a de deux sortes. Il y en a qui sont longs, comme ceux-là. Et puis, il y en a des courts. Vous savez que la capitale du poireau, c'est 40 ans dans la Manche. Et il y a un poireau qui s'appelle le monstrueux de 40 ans. Il est, mais énorme, gigantesque. Pensez qu'il y a des poireaux qui font plus d'un kilo chacun. Un comme ça, c'est-à-dire s'il est gros. Un kilo. C'est absolument invraisemblable. Hein. Est-ce que vous aimez le navet? Oui. Hein, oui. Toi, t'aimes le navet, Samuel, et toi? Oui, en soupe. En soupe, mais oui, c'est vrai que c'est un des usages habituels du navet, bien qu'encore. Tu sais, le navet, effectivement, avec un poireau et une pomme de terre, ça fait un ménage formidable dans la soupe. C'est bon également, le navet avec un canard, c'est absolument délicieux. C'est qu'on fait de la choucroute de navet, par exemple. Vous en avez déjà mangé, non? Non. Oh, c'est très, 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 très bon. Le navet, ça va bien avec le chou, avec de la saucisse fumée, avec, tu vois, une potée. C'est très, très bon avec le mouton. Le navet, je trouve que ça va avec tout. C'est absolument épatant. Toi, t'aimes ça? Moyen. Moyen. Eh bien, vous savez, vous êtes à peu près comme l'ensemble des Français. Figurez-vous que nous, en France, on n'aime pas beaucoup le navet. Pas beaucoup, beaucoup. On en mange moins d'un kilo par an et par personne. C'est les Anglais qui adorent ça. C'est pratiquement le légume national avec le petit pois, ne l'oublions pas, puisque le petit pois, c'est le légume national des Anglais. Mais alors, ce pauvre navet, il est synonyme de médiocrité, de trucs pas bien. Vous savez, quand on va voir un film, on voit un film et puis on est déçu, c'est bon, on dit « Oh, c'est un navet », etc. Alors, ça lui a fait beaucoup de tort. Mais figurez-vous qu'en France, c'était presque un légume national. Quand Cartier est parti découvrir les Indes, en fait, finalement, il n'est pas tombé sur les Indes, mais c'est pratiquement toute la majorité des navigateurs ne sont jamais tombés au bon endroit. Lui, il est arrivé au Canada. Qu'est-ce qu'il avait dans les cales de son bateau? Il avait
des graines de navet. Et c'est comme ça que le navet est allé au Canada, les Anglais, etc. Donc c'était vraiment pratiquement le légume national français. Et puis pof, ça s'est arrêté. Mais vous savez que c'est bon pour tout le navet. Hein. C'était, figurez-vous qu'avant, au Moyen-Âge, on mangeait du navet quand on avait de l'asthme. Quand on avait des difficultés à dormir, on mangeait du navet, il paraît que ça faisait dormir. Il y a du sodium dans le navet, il y a de l'iode. Il faudrait qu'on en mange davantage parce que c'est très très bon pour la santé. Et puis comme le poireau, dès l'instant où on a mal à la gorge, une extinction de voix, vous savez ce qu'on fait? On râpe du navet, on le mélange avec du sucre ou avec du miel, on le laisse macérer toute la nuit, et puis le lendemain matin, on boit le sirop et... Mais pourquoi on retrouve sa voix? Pourquoi on retrouve sa voix? J'en sais rien du tout, moi. Il y a des tas de cantatrices qui régulièrement utilisent ce procédé et s'en trouvent très très bien, tu sais. Ben, moi aussi, d'ailleurs. Et alors, la carotte, vous savez tous que ça rend aimable. Et puis, en dehors de ça, ça rend aussi les... Fesses roses. Je ne vais pas regarder comment sont les vôtres, mais j'espère qu'elles sont roses, en tout cas. Alors, la carotte, est-ce que vous savez que la carotte, à l'origine, elle n'était pas rose? Elle n'était pas rouge, ni rose. Elle était blanche. Tout à fait à l'origine, les carottes étaient blanches. Et alors, on raconte une histoire. Ça se passe dans un potager. Imaginez qu'il y avait un énorme chou qui était grossier, vulgaire. Vous savez ce qu'il faisait? Il pétait tout le temps. Alors, ça dérangeait tous les autres légumes, évidemment. Et les carottes, qui sont des personnes très, très distinguées, s'étaient mises dans un coin et, en général, les entendaient pas. Et ce jour-là, il y a du vent. Et le chou fait ses incongruités habituelles. Le vent transporte le bruit de ses pets jusqu'aux carottes. Elles ont eu tellement honte, les carottes, qu'elles sont devenues toutes rouges. Et c'est pour ça qu'elles sont rouges jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous avez jamais vu comment on faisait de façon industrielle pour cultiver tous ces légumes, mais moi, j'ai trouvé ça formidable. Ça vous amuse de regarder? Oui. Hein, vous voulez bien? Alors, regarde, on a une télé dans notre serre et vous regardez. C'est une région proche de la mer. Il y a un microclimat qui permet aux graines de se développer beaucoup plus rapidement et davantage. Ça, ce sont des graines de poireaux que vous voyez. Elles vont être semées par une machine à air pulsé. Cette machine, d'une part, creuse le sillon qui va recevoir les graines propulsées par cet air et qui vont être automatiquement rebouchées derrière. Vous voyez, là, ça rebouche. Devant, ça creuse la semence et c'est rebouché immédiatement. 3 mois et demi plus tard, on arrache tous ces jeunes pousses et on va les repiquer. Voilà, on les arrache dans cet état-là et on les repique toujours à la machine. Vous voyez, alors on va couper un petit peu la tête et on les... Regardez, alors ça c'est une machine spéciale qui fait des trous pendant que les jeunes gens, au fur et à mesure, introduisent les poireaux dans les trous. Regardez comment c'est fait. Voilà, paf, un trou, pof, un autre, et derrière, il le met. Et pendant quatre mois, en tout cas, les poireaux vont grossir, et au bout de 4 mois, regardez, on va voir, c'est extraordinaire, hein, la machine, moi, j'avais jamais vu ça. Alors, donc, pendant 4 mois, ils vont pousser, oh, regardez, ça y est, ils sont mûrs, 4 mois plus tard, il y a un escargot, d'ailleurs, qui nous le prouve, qu'ils sont bons à récolter. La récolte se fait à la main, toujours. Vous voyez, là, monsieur les arrache, il coupe la première peau qui a été en contact avec la terre, et puis il les aligne, ça va être lavé, et c'est prêt à la vente. Là, ce sont des carottes qui sont arrachées à la machine. Alors, cette machine arrache, coupe les feuilles, et par un tapis roulant, regardez ça, par un tapis roulant, il y a la séparation qui va se faire, et les carottes vont être déversées dans un camion qui suit. Vous voyez, là, ce sont des grosses carottes d'hiver. Il faut à peu près 5 mois pour cultiver les carottes. Alors que le navet, qui lui est toujours récolté à la main, toujours, vous voyez le navet, il pousse en 100 jours. On coupe sa queue, ses fans, ensuite les navets sont emmenés à la ferme, ils sont lavés, vous voyez, très soigneusement pour retirer la terre, ils sont ensuite mis dans des sacs, et là ce sont des sacs. Vous voyez, ils sont propres, il n'y a plus de terre. Là, ce sont des sacs transparents.
Et c'est beaucoup mieux d'avoir des sacs, vous le saurez quand vous achèterez vous-même vos navets, achetez-les plutôt dans des sacs comme ça, parce qu'il y a l'air qui passe, alors que souvent on les vend dans des sacs en plastique, et le navet déteste l'humidité. Quand vous achetez des légumes, vous allez chez un commerçant, et ça c'est très important à contrôler, il faut que la peau de tous les légumes soit ferme. Mais dites-nous, si on allait cuisiner, non ? Hein ? Oui. Ça vous oui. amuse ? Oui. On va faire un petit tour dans la cuisine, toutes ces explications, maintenant ça suffit. Allez, venez avec moi, on y va. Alors, mes enfants, on fait nos recettes. Je vous dis tout de suite que là, vous m'avez dit que vous saviez cuisiner tous les quatre. Je vais voir si vous savez cuisiner. Te marre pas, tu vas voir. Regarde, tu vas faire des poireaux, toi. Alors, on va amener les poireaux ici, hein. Et voilà ce que tu vas faire. Tu vas commencer à m'éplucher les poireaux. Tous les deux. Il y a deux couteaux, vous inquiétez pas, mais j'ai prévu que vous alliez travailler tous les deux. Il n'y en a pas un qui va s'en tirer. Tu vois ? Tu vas les couper à peu près comme ça. Hein ? Tu fais ça avec tous les poireaux. Allez-y, c'est à vous. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire le navet là-dedans ? Moi, je veux bien. Tu veux... Alors, reste là, surveille-les. Hein. Les navets, tu vas les éplucher. Donc ça, je ne vais pas t'apprendre à éplucher des navets. Tu vois, tu épluches comme ça, bien comme il faut. Tu enlèves un maximum de peau. Et puis ensuite, on va essayer de les calibrer tous à la même taille, tu vois. On va faire comme ça et comme ça. Voilà, on fait à peu près ça. Tu m'en épluches comme ça une dizaine, pas davantage. OK ? Épluche, vas-y, continue. Voilà ton épluche légumes. Et nous, on va aux carottes. Viens voir. Or, alors là, tu sais éplucher les carottes. Simplement, ce que je te demande, c'est, pour que ce soit plus joli, tu vas laisser un petit bout de fan comme ça, tu vois, là. Tu gardes juste ce petit bout de fan. On coupe évidemment le bout de la queue et tu épluches, ça tu sais comment on fait. Hein. Regarde, c'est d'une tendreté. On pourrait presque essayer de les frotter dans du sel, mais là, je crois que c'est pas utile. Non, voilà, allez, hop, allons-y. Alors, vous voyez, là, pendant ce temps-là, Samuel, regarde ce qu'on fait. On va allumer l'eau chaude, là, pour avoir de l'eau bouillante, pour pouvoir les faire blanchir. Ça avance. Ah, vous appelez ça calibré, vous, regardez-moi ça. Ah bah bravo! Donne-moi ton couteau. Alors ça fait rien, on va couper ça en deux, voilà. On va les avoir à peu près la même taille quand même. Tout ça, ça épluche, ça va Oran? Oui. Bon, eh ben alors, on est paré, épluché. Moi je ne fais rien, je vous regarde. Bon, alors là maintenant, je... Oui, tout le monde a terminé son petit travail d'épluchure. Formidable, regarde-toi. Tu vas mettre ton botillon dans l'eau maintenant qui bout. On va le laisser 10 minutes. Là, tu vas faire exactement avec tes carottes Oran, ce que nous allons faire avec les navets, ok ? Alors regarde, tu mets les navets, toi mets tes carottes, dans la sauteuse, comme ça. Voilà, tu les mets. Là maintenant, tu vas... Voilà, couvrir d'eau. Vas-y, mets-moi un bon gros morceau de beurre là-dedans, n'aie pas peur, hein. Parce que tout ça va fondre, on va laisser réduire. Vas-y, très bien, encore un petit bout, hein. Voilà, impeccable. Ça va, toi, mon petit lapin, t'as mis l'eau ? Oui. Mets un bon gros morceau de beurre, hein, bien généreuse. Alors, vous voyez, je prends carrément une grosse pincée de sucre. Tout ça va se caraméliser un petit peu, devenir très fondant. Sel, poivre, sucre, beurre, eau. Et on va laisser là... mijoter. Bien, bien, mon petit lapin. Mets du sel. Mets-en encore un petit peu du sucre. Laissons faire tranquillement. Nous, vous n'avez rien à faire puisque ça bout. Dans 10 minutes, on va arrêter la cuisson. On va commencer quand même à mettre la crème. Car le principe, c'est de faire cuire, écoute-moi voir, mon lapin, de faire cuire des poireaux. Une fois qu'ils vont être blanchis, on va les faire cuire dans de la crème. Alors, on va mettre la valeur d'une cuillère... d'une louche du jus de cuisson des poireaux pour donner du goût à la crème. La crème est donc là, tu l'as très bien fait. Il faut y rajouter un petit peu de noix de muscade, comme ça. Tu fais ça, et une fois que tu vas avoir enlevé la ficelle, tu les mets là-dedans. On va les laisser cuire pendant, là, 6-8 minutes. Viens voir avec moi, on va voir comment les filles ont travaillé. Alors, regarde. Ça, c'est pas mal, hein. Viens, allons voir la carotte, maintenant. Ça va, toi ? Oui, oui, très bien, très bien. Tu mettais, coupe-moi ça et mets les botillons dedans. Alors, toi, où tu en es ? Ça sent très bon. Ah, ça, c'est pas mal non plus, hein ? Ah, c'est à peu près réussi, ton coup. Mais dites donc, vous êtes pas mal. Là, c'est une série de bons. Non, mais c'est bien, mes enfants, on va passer à table dans 2 minutes, hein ? Ah,
J'avais oublié de vous dire au revoir. Au revoir, à la semaine prochaine. Probablement de nouveaux produits, un ou plusieurs, je ne sais pas encore. De nouvelles recettes, une ou plusieurs, je ne sais pas encore. Ah, dites donc, les enfants, on dirait pas un petit bonjour à Mortagne? Parce qu'on est un... Bonjour, Mortagne! Bonjour, madame.